Voici une nouvelle critique. Depuis un certain temps, on dénonce bien des faits réels de viols, d'agressions sexuelles, etc. De pédophilie. Et là, je vais vous parler de Richard Berry. Richard Berry est un comédien français, qui a joué dans L'Union Sacrée, qui a joué dans de nombreux films, d'excellents films. C'est un excellent comédien. Et là, on apprend qu'il a abusé d'une mineure. Encore. J'avoue que on m'aurait dit il n'y a pas longtemps, on a dit Depardieu, ça m'étonne pas, mais Richard Berry, oui, ça m'étonne. Je dis pas que je crois pas, non. Je crois à la victime. Je me souviens, j'ai une petite anecdote. À l'époque où j'allais faire les émissions de télé, l'une des premières que j'ai faites, c'était pour le lancement du film Un grand cri d'amour qu'il a joué avec José Balasco. Et je me rappelle que pendant l'une des pauses des tournages, l'une des pauses, l'un des invités a commencé à lancer une chanson et Richard Berry avait dit, enfin, ou le présentateur plutôt, avait dit de faire tourner les caméras, puis ils avaient tourné ce petit moment d'improvisation musicale. Il y avait la musique que j'aime, il y avait pas mal de chansons, différents artistes. Et j'avoue, j'aurais pas parié sur lui. Eh bien si, Richard Berry a agressé sexuellement une mineure. Et c'est autant un scandale que si c'était une personne inconnue, que si c'était un homme politique, ou bien un réalisateur, comme Polanski. Tout abus sur une femme, mineure ou pas. Mineure ou pas, c'est inadmissible. L'abus sur un jeune garçon ou un adulte, également. L'abus tout court. Est inadmissible. Vous allez me dire que moi je n'ai rien à dire là-dessus. Si. Je me permets de parler. Parce que ce n'est que le début. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. On sait. On sait. Mais pour l'instant, personne n'ose témoigner. Personne n'ose témoigner. Maintenant, quant à nous, je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique très très bientôt. Au revoir. Et bien voir Richard.